Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. C'est un total 11 juridictions sur 18 qui déjà bénéficié système gestion informatisée CAJ judiciaire, CAJ là. Programme ça qui est réalisé dans la tête collée entre ministère justice et sécurité publique et puis conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ grâce à financement USAID à travers programme renforcement secteur justice JSSP pour aller de renforcer performance tribunal yo, joindre information sur dossier judiciaire en temps réel, évaluer travail juge et puis, il y a plus de contrôle sur le travail juridiction. Les actifs sont venus aux États-Unis de mesures de réduction des taux de règles au ministère judiciaire et de pas directement liés à la connaissance du budget de la justice, au moment où on a l'augmentation du nombre des juges, mais davantage à l'essentiel d'organisation et de gestion des dossiers. Le GICAJ permet notamment d'obtenir des informations comptant réelles sur les dossiers judiciaires. La majorité de temps traitant des dossiers, la majorité de charge de travail des magistrats, d'obtenir des alertes lorsque les délais fixés par la loi sont dépassés, de protéger les droits judiciaires contre les intempéries dans le bancaire citoyen, puisque les données sont dans le bancaire. Le tel outil permet aussi au chef de juridiction de combattre la détention préventive et aidera le CSPJ au ministère lors de l'évaluation de la performance des magistrats, ce qui notamment servira au processus de promotion de carrière. Même CSPJ, magistrat Noé Pierre-Louis Massillon, qui s'est en même temps doyen tribunal première instance Saint-Marc, déclaré que c'est une révolution dans le système judiciaire haïtien. C'est tout pour le monde qui ne maîtrise pas trop bien le fonctionnement du système. Tout aujourd'hui, bien des critiques acerbes ont été adressées à notre système de justice, de son manque de performance. Cependant, si nous voulons arriver à une véritable transformation de ce système en s'attaquant de manière réelle et structurelle le problème, je dirais, de la détention préventive prolongée qui fait la une, il est nécessaire et même urgent de faire du GICAJ la plaque tournante. Car il est, je dirais, le carrefour, il est le carrefour décisif, il est en quelque sorte l'instrument, le véritable instrument qui peut en quelque sorte aider ce système à connaître le jour plus prochain. De manière concrète, le CSPJ, après avoir fait l'appropriation du GICAJ, a déjà travaillé pour son implémentation à travers les différents tribunaux de première instance de la République. Actuellement, 11 tribunaux de première instance sont déjà touchés, sont déjà branchés en région par les GICAJ. Et il reste 7 autres juridictions pour pouvoir, en quelque sorte, toucher l'ensemble des 18 juridictions de la République. Ministre Justice et Sécurité publique là, M. Rockefeller Vincent, fait obligation à tout paquetier qui dans toute juridiction dans le pays pour faciliter l'usage des outils d'après lui, qui pourra permettre de plus de transparence dans le système judiciaire et puis la justice à bio puis bon service. Cet outil de gestion se révèle un véritable tournant dans le système judiciaire haïtien ou, si vous acceptez, une révolution, puisqu'il y apporte de véritables avantages, surtout dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Cet outil révolutionnaire, mis à la disposition des parquets et tribunaux de première instance, facilite le traitement des dossiers pénaux avec la plus grande rapidité, efficacité, et transparence. En outre, cela concerne à nous autres, autorités au niveau du ministère, la possibilité de contrôle réel, effectif et rapide. Donc, chers amis, c'est la modernité ou tout aussi, c'est la technologie
qui s'allient à la justice pour de meilleurs résultats. En définitive, nous demandons une nouvelle fois à tous nos pamphletiers de s'assurer que l'on fasse usage quotidien du jicage dans leurs pamphlets respectifs, là où nous avons déjà installé cet outil de travail, car la jicage n'est pas une option, mais une obligation. Ces juridictions à Quin, Okaï, Koto, Miragouane, en Savo avec Jérémy, et puis juridiction pour des paix qui peuvent bénéficier pour GESA. C'est loi 28 juin 2002 qui l'a pour gérer le secteur coopératif là, qui crée fonds soutien à coopérative. Fonds ça là pour supporter coopérative qui n'a difficulté ou bien qui besoin l'argent pour fonctionner. Lancement d'outils ça, pour favoriser croissance dans le niveau secteur et puis permettre les moyens pour financer le projet LIO d'après le gouverneur Banque Centrale là, Jean-Baden Dubois, qui t'a présenté l'importance secteur coopérative là. Coopérative yo, une importance particulière dans l'écosystème financier qui fait que font nous bayo importance que nous méritons. Le fonds de soutien aux coopératives a été mis au point d'une part pour aider les coopératives d'épargne et de crédit à renforcer leurs opérations et traverser le cycle économique difficile et d'autre part pour leur fournir un coussin de protection pour leurs opérations futures. Le fonds entrera en opération dans quelques semaines. Les caisses en difficulté trouveront des ressources fraîches à taux raisonnable pour résoudre leurs problèmes temporaires. D'autres pourront solliciter du fonds ce qu'il faut pour soutenir leur plan d'expansion et financer des projets porteurs, ce en insistant sur la bonne gouvernance et la viabilité financière. Si avant coopérative yo pas de valeur sur plan économique, pour qu'on y ait les différents, à côté intermédiaire li servi entre société yo à gros institutions financières yo, yo vin rapporter en pile jodi ya nan bénéfice communauté a desservi yo. L'importance des caisses populaires dans le monde et chez nous n'est plus à démontrer. Au 30 juin 2020, ces intermédiaires financiers, modestes mais laborieux, regroupaient 1 164 853 sociétaires en Haïti. 1 164 853 sociétaires en Haïti. Avec un actif total de 17,7 milliards de goudes, dont 8,6 milliards de prêts et un passif dépôt de 12,3 milliards. Les progrès sont notables et le dynamisme évident dans cette branche du secteur financier qui dessert une clientèle que les gros intermédiaires bancaires tendent à éviter en raison des risques amplifiés par les turbulences socio-économiques courantes. Mesdames, Messieurs, comme dit donc le secteur microfinance coopérative, là, il vient prendre une importance extraordinaire dans notre pays et dans le milieu financier haïtien. Je ne vous dis pas, il y a plus de 1 million de monde qui m'ont mis en coopérative d'après chiffres qui sont disponibles. Il y a un secteur qui a pris pied et puis représenter exemple inclusion financière dans le pays, selon le responsable Banque République d'Haïti. Ce qui fait plus plaisir, je tiens, c'est que au monde qui décroble des coopératives comme Cotelan, à Port-au-Prince, ou même Coprince, qui est une coopérative juste pour le pain, avec 4 de débit là, car il y a n'importe qui côté qui voit ATM, que ATM est pour banque ceci, pour banque cela, pour les prendre compli. Et c'est ça que nous voulons, interopérabilité. C'est ça que l'IA. Ça veut dire qui ça? Nous ramasser toute institution financière. Pas qu'une question de gros institutions financières, de petites institutions financières. Pas qu'une question de petites coopératives ou de gros coopératives. Depuis, moi, dans le système financier, moi, on acteur, autant, en fait, avec
même capacité que nous avons dans n'importe qui banque. Parce qu'avec 4 de débit, nous pouvons aller dans n'importe qui ATM pour me retirer comme moi. Et ça, c'est une victoire pour passer tout le pays et en particulier pour tout le système financier. L'objectif là, c'est vraiment, c'est par des masques qui sont très spécifiques, qui sont très sophistiquées à des personnels de santé, étant coup docteur, infirmières, techniciens qui dans le domaine médical là, qui vient pour traiter patients qui viennent prendre service dans Caillou, que c'est à travers l'hôpital, clinique, santé communautaire et tout ça. Donc nous-mêmes nous avons décidé tout de Haiti Foundation pour nous capables de bailler appui par nous à différentes entités à travers le pays. Moi, j'ai un plan pour nous capables de distribuer masse dans l'hôpital général, à Médecins sans frontières qui est dans la Cité Soleil là, par exemple, et d'autres cliniques, par exemple Albert Schweitzer, l'hôpital, et Bernard Meuse déjà gagné et masse déjà. Et cependant, nous connaissons que masse. Ça y est, qui est très spécifique, c'est des masques qui sont de KN95, c'est KN95 que vous voyez. Ok? Ils sont très sophistiqués. C'est des masques qui, ils ont un système de protection, côté protéger pour pas de transmission de maladies que de patients, qu'un patient a traité, et au minimum 95%. Ok? Et c'est pas des masques ordinaires. Parce qu'ils ont fait exactement pour personnel de santé. Okay? Parce qu'à cause de protection qu'ils sont capables de bailler à personnel de santé. Donc, durée masque d'habitude, c'est au minimum de 5 jours qu'ils sont capables d'utiliser. Mais au minimum, nous connaissons que l'essentiel que vous capable de mettre à disposition de docteurs, de équipes médicales, de masse. Je ne peux pas féliciter tous les professeurs dans le pays qui, malgré les revendications justes, fin de travail avec les élèves, malgré la pression, c'est des professeurs qui les traitent. Ils considèrent à peine 10 jours de classe pour les élèves de 9e année. Avec les filles, ils participent à l'examen officiel. Incroyable, mais vrai. Bah, ici, le professeur a porté plainte pour dire que l'école qui a forcé le groupe à l'année scolaire. Mais eux-mêmes, ils ont de conscience. Pour aller travailler avec Timounio, même si nous dit tant pour revendication professeur au juste, et nous considérer sous 9 mois à l'école, Timounio pas bénéficier 3 mois, en pile par an tout hier, par après l'an mois, parce que l'école nous dit, si vous pas payé le troisième vestiment, même si vous quittez petit, vous composé, vous pas payé au canet. Il a brimé journaliste, il a cherché brimé, il n'est pas bon pour la population, il n'est pas bon pour l'opinion publique, parce que le journaliste n'a pas du peuple pour faire travailler. Il y a des confrères qu'on est jeudi à là. Nous on a parlé avec eux. Nègre dit, ah, mon cher, il est en bas, il divise là. Il n'a pas qu'à parler de ce n'est pas capable. S'il dit ça, même s'il ouais c'est vrai, il compte ça, il ouais ça pour le dire, il n'a pas dit ça parce que il y a des gens qui prennent longe droit sur lui, qui ont fait le menace, il n'a pas dit, alors que le ouais c'est ça pour le dire. Mais ça, c'est baïonnement lié. Ce n'est pas au gouvernement seulement qui a baïonné. Que l'opposition, que n'importe qui groupe, qui empêche les journalistes de faire travailler correctement pour dire ça, ouais. Comme si son parole, vos paroles, vous parlez de bout du tel, ou critiquer un bagaille, comme si qui pas fait, ou si le secteur plaisir, l'autre des journalistes a dû mourir, ou il y a des problèmes, etc. Que c'est gouvernement, que c'est l'opposition, que c'est n'importe qui groupe là, journaliste a dû libre par rapport à Mounsa, indépendant, pas doué Mounsa pour le dire bagaille pour faire plaisir. Et t'es gain pour journaliste TNH, c'est Hervé Pierre, qui victime tout, il a saisi 4. Vidéo à 4 mémoires pour l'enregistrer, 4 enregistrements, et nous m'en découvre des comptes, remettre ça rapidement. Si nous condamnons ça que de force, nous, et m'a dit nous que Samuel Dalman n'est pas avec nous là, je dis là, parce qu'il est dans le parquet avant d'en parler avec nous là. Ce sont plaintes là, déposées là, et nous-mêmes, SOS Journaliste, n'a pas accompagné, nous parler avec le directeur et RTGA déjà, en parlant de Lucien Boj. Que nous garantissons de tout support nous, SOS Journalistes, pour que Kassa nous avance avec, pour nous donner des explications sur qui base que agresser les journalistes à Jean-Ophel là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et
toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.